bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ça va être un petit peu particulier cette fois-ci parce que hier j'ai filmé un petit peu, donc hier nous étions vendredi, j'ai filmé un petit peu ma journée, mais mon ouverture a disparu et en fait j'ai pas non plus clôturé parce que je suis rentrée à 1h du matin. Nous étions hier soir à la fête de la musique dans mon village qui, je ne sais pour quelle raison, avait lieu le 5 juillet. Et nous sommes rentrés très tard et en plus j'avais de la famille d'Eric à la maison, donc du coup je n'ai pas vlogué pendant leur présence, pardon. Et donc il n'était pas très, comment je pourrais dire, consistant le vlog de vendredi. Du coup, je vais lier les deux et puis je vais vous mettre les vidéos. Enfin, je vais quand même vous mettre ce que j'ai filmé hier, du coup vendredi. Et puis je vais enchaîner avec la journée de samedi puisque je suis toute seule aujourd'hui. Les enfants sont partis au pique-nique, pardon, de la sœur d'Eric là qui arrose son mariage. Et puis ils rentreront ce soir pour aller au ciné. Voilà, donc cet après-midi, du coup, j'ai trouvé un ami d'Anaïs qui va me remettre le cache sous ma voiture. Là, je sais plus si j'en avais parlé, mais j'ai un cache qui s'est décroché. Enfin, c'est une protection, en fait, qui s'est décroché sous ma voiture et qui, en fait, ne traîne pas par terre quand je roule, mais quand je prends des ralentisseurs, bah, ça touche, quoi. Donc, du coup, pour aller jusqu'en Bretagne, je me voyais pas trop faire la route comme ça. Donc, j'ai demandé à Anaïs si un de ses amis s'y connaîtrait en mécanique. Et il s'avère qu'un de ses amis est dans la mécanique. Donc, il me l'a raccroché hier soir, mais il m'a dit qu'en fait, il fallait remettre une vis parce que il y avait plus de vis et que ça tiendra pas jusqu'en Bretagne. Donc, il va me faire ça cet après-midi. C'est super gentil de sa part. Et donc voilà, donc bah là je m'apprête à aller prendre une douche parce que je me sens poisseuse et puis on voit bien que mes cheveux ne sont pas très sains. Donc je vais m'occuper de tout ça. Anaïs ne veut toujours pas me faire mes racines, elle ne les fera que la semaine prochaine quand je rentrerai de vacances. Donc je suis un petit peu déçue, mais c'est comme ça. Et puis je vais mettre du spray en attendant. Parce qu'elle me dit qu'on ne peut pas faire une coloration toutes les deux semaines, mes cheveux ils vont jamais survivre. Donc j'attends, mais c'est vrai que les racines repoussent vite et c'est pénible. Donc voilà, bon bah je vais prendre ma petite douche tranquille, je me prépare et puis après j'ai un ménage de titan à faire, j'ai toute la vaisselle du repas d'hier soir, j'ai toute la maison à ranger et la valise à préparer aujourd'hui, donc je vais partager ça avec vous, puisque je serai toute seule. Elsa, elle est persuadée que la dentine du collège ça va être trop bon, sauf qu'en fait elle connaît pas, donc je vois pas comment elle peut savoir ça. Tu jugeras de ça à la rentrée. Ouais. Coucou les gens. Bon, eh bien, ouais, dernier jour d'école. On a du mal à réaliser en fait, mais ça fait du bien. Je suis contente de me dire que ça y est, on va plus se mettre la pression le soir pour que les enfants aillent se coucher tôt. On va plus mettre le réveil le matin. Bon, sauf certains jours si on avait rendez-vous, mais autrement on va se faire plaisir, on va pouvoir dormir autant qu'on veut. Oui, je vais t'en donner mon chat. Donc ça fait du bien. Mais bon, ce matin c'est pas encore le cas. Donc on continue à se mettre la pression puis à se préparer pour l'école. Bon, il est midi et quart. Nous venons de rentrer. Maman, il y a un bleu là. Ouais, quand même. Marceau est rentré de l'école. Non. Non, t'es pas rentré de l'école? Non, là on n'est pas à l'école. Non, on est rentré de l'école, on est rentré à la maison. Bah oui, on est rentré à la maison. Ouais. Il est en vacances. Ouais, toi, t'es en vacances. Ouais. Non, c'est moi chiant. Ouais, il y a ça, t'es en vacances. C'est moi chiant. Ouais, pas pour longtemps. Hein. Et en plus, c'est ma maîtresse qui t'a. Anaïs, elle est en vacances, mais elle reprend vendredi. Non, Martine, c'est ma maîtresse. Bon, du coup, j'ai une tonne de ménage à faire, donc. On va s'y mettre, enfin là on va manger surtout. Je vais faire à manger, ensuite bah, je vais faire le ménage parce que du coup j'ai du monde qui arrive cet après-midi. Petit crapaud. Il a eu des bonbons Marceau à l'école par sa maîtresse, c'est trop gentil. Et là en fait il attend que je lui donne la boîte à bonbons pour les mettre dedans pour partager avec tout le monde. C'est super mignon je trouve. Et toi aussi tu vas partager? Bon, moi je mange pas de bonbons tu sais. Mais pourquoi? Parce que ça fait grossir. Moi j'en mange beaucoup. Moi j'en moi, j'ai partagé avec mes frères. Ouais, c'est bien. Pas ça. Pas avec moi. C'est gentil. Pas petit. Avec moi. Bah, aussi. Ah, voilà. Tu me donnes?
Voilà, bon, après c'est quelques jours où je n'ai pas été beaucoup à la maison. Là, je le suis. Pas pour très longtemps, mais je le suis un petit peu. Donc, je vais m'activer. Puis essayer de rendre cette maison à peu près propre. N'est-ce pas? Tu vas m'aider, ma chérie? Oui. La grande fille à sa maman. Ouais, j'ai senti le coup de boule dans la joue aussi. Bon, les amis, je suis très enrouée. C'est clair. Il est, je sais pas, 16h20. J'attends devant l'école pour aller chercher les enfants et je suis un petit peu en avance parce qu'en fait, je suis allée rendre la clé de l'ancienne maison. Voilà, une vraie page se tourne. Ça y est, c'en est fini. L'école ici, c'est fini aussi. Donc à présent, notre vie, c'est dans la nouvelle maison. Voilà, c'est parti. Je suis très contente. Je suis vraiment très contente. C'est un soulagement. Et du coup, une envie de renouveau, en fait. Donc, c'est chouette. Maintenant, on va se poser dans la nouvelle maison. On va s'équiper petit à petit pour avoir un intérieur qui nous convient, qui nous plaît. Et puis, il n'y a pas de raison. Hein. Ça va se faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant mal à la gorge. Donc, je viens de voir sur le vlog d'hier un commentaire me demandant de faire un retour sur le Sauvilleda et justement, je l'ai testé tout à l'heure. Donc, bah, je confirme. Franchement, je suis pas impressionnée. Hein. C'est pas un truc de ouf de la mort qui tue non plus, mais c'est pratique. Et alors, la petite astuce que moi j'ai trouvée, truc de la mort, c'est que dans la poignée du seau, en fait, il y a un petit cran pour clipser le balai. Je sais pas si vous avez ce problème vous aussi, mais moi quand je pose mes balais dans le seau, je sais jamais comment poser le manche. Ben là, je sais. Voilà, ça c'est top. Après, voilà, la serpillière, elle est super bien essorée avec la pédale. Franchement, bon, c'est très très bien. Bon, ben, je vais couper puisque les parents commencent à arriver. Bon, je vous reprends. Nous sommes samedi. Nous sommes samedi, il est midi. Et... pardon. Et en fait, j'ai pas pu clôturer ce vlog hier parce que nous sommes allés à la fête de la musique hier soir. Et oui, dans ma commune, c'était le 5 juillet. Donc, nous avons fait la fête de la musique. Nous sommes rentrés à 1h du matin. Donc, après le temps de ramasser un petit peu la table, etc., de fermer les volets et tout ça, on s'est couché à presque 2h. Et en fait, moi, j'arrivais pas à dormir, donc j'ai été chercher le ventilateur dans la chambre des enfants, puisque eux avaient déjà bien rafraîchi leur air. Et je l'ai mis dans la nôtre, et j'ai enfin réussi à dormir à 2h passées. Donc, ce matin, réveil à 10h20. Mais du coup, je me voyais pas clôturer le vlog hier soir. J'y ai même pas pensé, à vrai dire, tellement j'étais fatiguée. Bon, il est 21h et je suis à la station de lavage, je suis en train de laver ma voiture. On est allé au ciné, c'était génial. Franchement, c'était trop top. Les enfants étaient ravis, Eric est venu avec nous finalement. Ça a été un petit peu dur les 10 dernières minutes. Avec Marceau, ça a été un petit peu compliqué. Mais au final, franchement, ça s'est super bien passé. Le film, c'était super, on a bien rigolé. On est ravis. On est ravis de cette séance, je pense qu'on renouvellera parce que autant j'appréhendais, mais vraiment beaucoup. Quand Eric m'a dit qu'il venait avec nous, j'étais hyper soulagée parce que je me suis dit c'est bon, je vais pas gérer toute seule. Et franchement, j'étais trop contente, mais je pense que même toute seule, en fait, j'aurais très bien géré. Donc je suis ravie, vraiment ravie. Donc, je vais vous laisser parce que je suis en train de laver la voiture et ça fait beaucoup de bruit. Bon, il est 21h15, c'est bon, je suis rentrée, la voiture est lavée, j'ai fait le plein d'essence. Bah, il me reste encore à faire toute la valise parce que je n'ai pas commencé. Et comme j'ai eu du monde toute la soirée d'hier et toute l'après-midi, puisque du coup ils sont arrivés hier après-midi, donc il a fallu que je les gère, hein, j'allais pas faire mes trucs pendant qu'ils étaient chez moi. Donc bah, du coup c'était un peu compliqué à gérer les préparatifs de vacances. Donc rien n'est prêt. Concrètement, je pars demain matin à 6h, rien n'est prêt. Donc ce soir je dois faire les niveaux de la voiture, je dois la nettoyer, là je la laisse refroidir un petit peu, si toutefois elle refroidit vraiment. En tout cas je laisse reposer, et en même temps elle est penchée la voiture, alors pour faire les niveaux, c'est pas l'idéal, mais bon bref.
Quoi vous dire de plus? Eh bien, cette journée, elle est passée bien vite, en fait, cet après-midi. Voilà, j'étais toute seule parce que les enfants étaient partis. Et en fait, j'ai honte de le dire, mais je n'ai rien fait. Ça m'a fait du bien, en fait, de me retrouver toute seule. Et je me suis posée dans le canapé et je me suis reposée, en fait. Sauf que du coup, rien n'a avancé dans la maison, ni dans les valises, ni dans les lessives. Donc, je suis pas très fière de moi, mais bon, ça m'a fait du bien, c'est le principal. Voilà, donc bah là, je m'apprête à monter ce vlog, puisque du coup, il faut que je le fasse maintenant, parce qu'après, je ne pourrai plus. Pour toutes les personnes qui me suivent sur Insta, je ne vais effectivement pas vlogger cette semaine. Enfin, je vais vlogger, mais je ne publierai pas tous les jours. En revanche, je publierai sur Insta. En story, vous pourrez suivre nos vacances sans souci. Et du coup, le vlog récapitulatif de nos vacances sera en ligne ben, lundi, du coup. Habituellement, je ne publie pas le lundi à part des vidéos à thème. Donc, mais comme de toute façon, je n'ai pas préparé la deuxième partie de la FAQ qui concernait mes enfants, du coup, je la ferai justement quand je rentrerai de vacances et je la publierai du coup le lundi suivant. Mais là, du coup, lundi prochain, ce sera le vlog de mes vacances. Du coup, un vlog pour la semaine complète. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous fais des gros bisous et ça va me faire bizarre de pas vous publier de la semaine, de pas avoir vos retours de commentaires, les likes, etc. Mais on verra bien. En tout cas, j'espère pouvoir bien profiter de ces vacances. J'espère que vous profiterez aussi des vôtres parce que je sais que tout le monde n'est pas en vacances, mais ceux qui le sont, en tout cas, j'espère que vous arriverez quand même à profiter du beau temps et même si vous partez pas, à profiter quand même. Voilà, donc, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.